Nicolas Bilot est historien. Il débute ce matin un vol au-dessus des plus beaux châteaux de Picardie. Voilà, on a déjà une super vue, hein, parce que sur notre gauche, on a tout le massif des Trois Forêts autour de Senlis. On est à l'extrême sud de la région Hauts-de-France, au sud du Valois, au nord de la région parisienne. On est dans une terre véritablement spécifique, grande terre de châteaux et de monuments en tout genre, en l'occurrence une des plus belles régions françaises avec une concentration extraordinaire de monuments. Et on aperçoit surtout déjà le château de Chantilly, magnifique site s'il en est, hein, probablement un des plus grands joyaux des Hauts-de-France. Chantilly, ben c'est presque 8 siècles d'architecture et c'est un château très important, résidence de plusieurs grands princes dont les Montmorency et les Bourbon-Condé. En le survolant, Nicolas peut admirer toute la majesté du monument posé au cœur d'un jardin à la française dessiné par le nôtre. Au cours de son histoire, l'édifice a beaucoup souffert. Il a été presque entièrement reconstruit entre 1876 et 1882. Le premier château date du XIIe siècle et progressivement, quasiment à chaque siècle, on va rebâtir Chantilly. Le château qu'on a aujourd'hui sous les yeux, on le doit essentiellement au duc d'Aumale qui fait rebâtir cet édifice qui avait énormément souffert pendant la Révolution puisqu'il avait servi notamment de prison puis de carrière. Et il le fait rebâtir quasiment entièrement en respectant le plan d'origine, hein, qui donne architecturalement toute cette impression d'un Moyen-Âge idéalisé tel qu'on l'imagine au XIXe siècle. Mais on respecte tous les principes du château ancien. On va trouver des tours aux angles, on va trouver des douves, des fossés en eau, on va trouver une chapelle, on va trouver une cour intérieure, une galerie d'entrée. Pendant très longtemps, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, on a voulu balayer l'architecture gothique. Et à partir du XIXe siècle, l'architecture gothique va trouver un nouveau souffle dans ce qu'on a appelé le néo-gothique, c'est-à-dire une manière de vouloir refaire du gothique au XIXe siècle, mais en utilisant les moyens modernes et les conceptions modernes de l'architecture. L'avion passe maintenant au-dessus de la forêt de Chantilly. Il se dirige vers un autre site néo-gothique, plus secret. Pour les archéologues, pour les historiens dont je fais partie, c'est vraiment une chance et un terrain de jeu extraordinaire que d'avoir une région avec une telle densité de monuments et une telle qualité de monuments à pouvoir étudier. Et il suffit de faire quelques centaines de mètres, quelques kilomètres parfois, pour avoir des édifices remarquables proches les uns des autres. Là, on arrive progressivement au-dessus des étangs de Comelles et du château de Comelles, qu'on appelle aussi le manoir de la Reine Blanche, qui est un pur exemple d'architecture néo-gothique ici encore. Un édifice tout petit, assez charmant d'ailleurs, carré, entouré de ses quatre tourelles, et qui a été bâti dans la toute première période, dans l'apparition du courant néo-gothique en France, dès les années 1825-1826. Le château de Comelles marquait les limites du domaine de Chantilly. Les princes et les ducs s'y retrouvaient lors de grandes chasses. C'est aussi un moyen de montrer l'étendue de sa richesse et le fait qu'on est capable de faire réaliser toutes les excentricités qu'on souhaite. Et en plus, particulièrement magnifié par son territoire et son paysage, parce qu'au bord de l'étang, au milieu de la forêt, dans un écrin de verdure, avec la belle pierre blanche qui tranche avec la couleur verte de la forêt, comme ça, vous êtes vraiment sur un superbe édifice, un petit bijou. Nicolas Bilot continue sa route vers le nord-ouest. Sur un coteau, surplombant un affluent de l'Oise, apparaissent les trois corps de bâtiments du château de Mélo. Château, lui aussi d'origine médiévale, hein, c'est encore une fois une situation dans laquelle se sont empilés plusieurs édifices l'un sur l'autre. En fait, le premier château date du XIe, XIIe siècle. Et évidemment, de ce premier château, il ne nous reste presque plus rien. Et à partir du XIIe, XIIIe siècle, on va remanier.
Et là, on a vraiment de très, très beaux édifices qui profitent d'une situation dominante au-dessus de la vallée pour contrôler tout le territoire visuellement. C'est vraiment cette idée de voir et être vu. Il ne faut pas sous-estimer l'importance symbolique de tous ces châteaux et de toutes ces fortifications. Le château étant un symbole de pouvoir aussi, et surtout d'ailleurs un symbole de pouvoir, un moyen de manifester sa puissance sur un territoire à travers la pierre. Ce territoire-là, c'est un territoire à très haut rendement agricole, notamment céréalier, qui ont permis notamment un enrichissement à la fois des propriétaires terriens, mais aussi des seigneurs par le biais de l'impôt. Il faut bien comprendre que tous ces monuments-là, eh ben, ils sont payés aussi en grande partie grâce aux impôts qui sont prélevés sur ces terres. On ne comprend bien les monuments qu'on a ici que si on comprend que le territoire est extrêmement riche et que c'est ce territoire qui permet de construire et de payer ces bâtiments. L'avion quitte l'Oise et survole la Somme. En chemin, il s'approche d'Amiens. La flèche de la cathédrale Notre-Dame, haute de 112 mètres, est visible à plusieurs dizaines de kilomètres. La cathédrale d'Amiens, qui est donc la cathédrale gothique la plus longue de France. Pour la petite anecdote, on peut construire entièrement Notre-Dame de Paris dans Amiens sans toucher les murs. Donc Notre-Dame tient à l'intérieur alors. Ah oui, vous pouvez prendre Notre-Dame sans les tours. Avec les tours. Les tours de Notre-Dame rentrent dans les tours d'Amiens sans problème. L'historien prend la direction d'un autre château dans lequel il est attendu. En suivant la vallée de la Somme, l'avion passe à côté d'un édifice unique. On commence à apercevoir là le château de Rambure, parmi les châteaux les plus emblématiques des Hauts-de-France, puisque dans l'histoire de l'architecture, cet édifice il a comme place d'être un des derniers des châteaux médiévaux et un des premiers des châteaux modernes. C'est une transition entre les châteaux du Moyen-Âge et la citadelle que l'on découvrira à partir du XVIe siècle. Mais il n'est pas à proprement parler néo-gothique, il est simplement issu de la même conception quand même de cette période qui consiste à vouloir essayer de conserver les châteaux anciens. Ça fait partie du destin de ces monuments que de s'adapter aussi aux attentes des propriétaires dans l'histoire. Donc évidemment, ils évoluent. Contrairement à une idée reçue, un château, ce n'est pas immuable. Ça évolue considérablement. C'est en fait un enchevêtrement, une imbrication de 8 tours qui lui donne une allure complètement atypique, complètement originale. C'est quasiment un cas unique. Puis l'avion prend de l'altitude en direction de la mer. On aperçoit toute la baie de Somme. C'est une des plus belles baies du monde, en ce sens que, contrairement à une idée reçue, on a dans le nord de la France des très très belles plages, des très très beaux paysages. C'est l'embouchure du fleuve Somme qui a fait naître ce petit paradis, ce petit territoire unique au cœur des Hauts-de-France. Nous avons aussi une baie qui accueille très régulièrement des phoques. Et là, on a redécouvert tout récemment que certains parchemins anciens du Moyen-Âge n'étaient pas uniquement composés de peaux de moutons, mais aussi de peaux de phoques. Alors il faut imaginer que dès le plein Moyen-Âge, on a ici très certainement un commerce de peaux de phoques qui permet notamment de réaliser quelques-uns de ces parchemins.
c'est la fin du vol. À quelques kilomètres de la baie de Somme, Nicolas Bilot s'approche du château de Reynier-Écluse, le plus bel exemple d'architecture néo-gothique. Nous apercevons le très beau domaine de Reynier-Écluse, un domaine de plus de 800 hectares, qui aujourd'hui est un édifice néo-gothique remarquable. On voit la forme caractéristique des corps de logis, hein, une forme en U, avec le grand logis principal orienté côté jardin. Les bâtisseurs ont inventé ici le style troubadour. Et on constate toute la particularité de cette architecture néo-gothique qui s'exprime pleinement ici. Hein. On a des tourelles, on a des toitures en poivrière très effilées, très hautes. On a beaucoup de lucarnes, on s'attend tout de suite à un décor très très riche. Ça, c'est typique de toute cette architecture néo-gothique qui s'exprime pleinement à Reynier-Écluse, qui est un des rares édifices où on a eu la possibilité de le conserver quasiment dans son intégralité et de l'entretenir aussi bien. Pour la première fois, l'historien va pouvoir visiter l'intérieur du monument. Quel décor ! Vraiment un superbe édifice. On est vraiment dans le néo-gothique théâtral. C'est-à-dire qu'on va avoir un décor très chargé, très divers, multiple, dans lequel on va avoir plein de références à un Moyen-Âge idéalisé. On va avoir des tourelles coiffées en poivrière, coiffées en cône, comme ça, très élancées, parce que ça fait Moyen-Âge. On va avoir des fenêtres très décorées, quasiment toutes différentes d'ailleurs, soit par les écussons, soit par les décors. On va avoir les grandes fenêtres à meneaux, parce que les fenêtres à meneaux, avec les croisées, ça, c'est toujours très Moyen-Âge. Et puis, on va avoir des avant-corps. Trois avant-corps et tous les trois différents. Un avant-corps avec une porte cochère ici, un avant-corps avec un arc de fenêtre pour donner plus de lumière, mais pour donner aussi cette impression d'avancer sur la cour, et puis un avant-corps qui sert d'entrée. En réalité, la véritable entrée, elle est là, sur la partie la plus ancienne du château, la seule qui est d'origine d'ailleurs. Tout le reste est recréé. Et il est recréé, mais dans l'esprit et en copiant un petit peu les vestiges de l'ancien château. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la création, de la réappropriation du Moyen-Âge. Tout ce qu'il faut pour faire le néo-gothique va être résumé sur ce château-là, qui est un exemple parfait pour ça. Nicolas Bilot est attendu par le propriétaire. Bonjour monsieur. Bonjour. Viens voir votre superbe demeure. Il a pris rendez-vous pour admirer la pièce maîtresse de l'édifice. Voilà, ben voici l'escalier. Ah, le bel escalier. Un grand moment de sculpture et d'architecture pour le cadre de la maison. Voilà. Il est superbe. À ça, on peut dire que c'est une pièce d'exception, d'autant qu'il est en très bon état en plus. Le double escalier est l'œuvre de deux grands noms picards du 19e siècle, les frères Dutoit. À Reynier-Écluse, ces architectes sculpteurs ont signé toute la décoration. Là, on est clairement ici pour installer un espace de circulation confortable. On pouvait se permettre de faire des escaliers plus simples, plus étroits, plus réguliers. Ces deux volets de marche, puis cette rampe centrale, on a choisi d'habiller la pièce, mais c'est à la hauteur du niveau de vie qu'on souhaite donner à travers ce domaine, à travers cette maison. Vous êtes sur le palier du premier. L'escalier permet d'accéder à l'autre trésor du château. Une construction typique du néo-gothique. Vraiment une pièce extraordinaire. Une chapelle privée. On traite une fenêtre dans le style qu'on aurait trouvé au début du XVIe siècle ou au milieu du XVIe siècle, alors qu'on construit ça au milieu du XIXe siècle. On a des corniches, on a des boiseries. On est toujours sur les motifs floraux. On va retrouver tous les décors qu'on avait au moment de l'escalier, par exemple. On est vraiment à chaque fois sur quelque chose qui répond à la fois à l'architecture extérieure et à la fois aux autres éléments du château, mais tout en faisant dans l'idée qu'on se fait du Moyen-Âge au XIXe siècle. Alors on a l'impression qu'il faut charger, qu'il faut faire des trilobes, qu'il faut faire plein de petits détails, parce que l'idée qu'on a, c'est qu'une chasse de reliques, c'est détaillé comme ça, alors un hôtel aussi. Et c'est rigolo, parce que partout, on va en rajouter. On va faire des grandes portes gigantesques, on va faire vraiment des grands volumes. Là, on est vraiment dans la chapelle néo-gothique absolue.
Le lendemain, l'historien est attendu sur un autre site, dans l'Oise. On arrive à Mont-l'Évêque. C'est un village qui a une riche histoire, qui s'appelait à l'origine Mont-le-Roi et qui a changé de nom pour s'appeler Mont-l'Évêque parce que le roi de France l'a offert à son évêque comme fief. Et donc, il a changé de nom, passé de Mont-le-Roi à Mont-l'Évêque. Au XIXe siècle, le château de Mont-l'Évêque a été profondément remanié. Les architectes ont rajouté une tour, modifié l'entrée principale, percé des fenêtres ornées et surtout, ils ont édifié une chapelle gothique. Toutes ces modifications mettent aujourd'hui le monument en péril. Nicolas Bilot suit de près les travaux sur la chapelle qui menace de s'effondrer. Le propriétaire actuel a fait appel à un tailleur de pierre pour étayer l'édifice. Voilà. Ben regardez notre façade. Ouais. Voilà. Elle s'écroule plus. Ah ben non, tiens bien. Et c'était pas gagné d'avance. A priori, les témoins qu'on a fait l'an dernier ont l'air d'être efficaces. Ça n'a pas l'air d'avoir bougé, les arbres n'ont pas repoussé. C'est plus qu'a priori, c'est efficace. Dire que là, pour retenir le mur, l'artisan a scellé une armature de chêne dans deux gros blocs de béton. Le premier jour où on est arrivé ici, donc la façade que vous voyez ici, elle était drapée de végétation. Il y a une pierre gigantesque qui est en haut qui était basculée, elle était prête à nous tomber dessus. Enfin, tout était prêt à tomber. Donc, c'est vrai qu'il a fallu qu'on y aille avec des pincettes et qu'on réfléchisse bien à l'ordre des choses et l'organisation. On sort d'une étape qui était très importante, qui me permet de beaucoup mieux dormir la nuit, qui est d'étayer la façade pour ne plus qu'elle tombe. Après ça, il reste le devenir de ce qu'il y a comme chapelle derrière, ce qui était tout à fait un autre problème, qui n'est pas du tout résolu, mais chaque chose en son temps. C'est déjà un petit miracle qu'on ait sauvé la façade, mais c'est qu'un début. On va dire que c'est la partie... La moindre. Les trois hommes se dirigent vers l'arrière de la chapelle. Les arbres ont envahi le petit monument. Ah oui, mais là, c'est simple, on ne la voit même plus avec la végétation. Oui, la végétation a vraiment conquis entièrement les maçonneries. La végétation a tout conquis. C'est pareil, alors là, elle est entièrement couverte. Oui, maintenant, c'est le bois, c'est les racines qui tiennent la façade. On se rend compte des enjeux de l'entretien. Et là, il y a du boulot, là. Ah, déjà, je pense qu'il faut déjà faire intervenir un bûcheron pour enlever la végétation, qu'on regarde un petit peu le mur, C'est du bûcheronnage à haut risque. Oui, parce que on avait vu de l'intérieur, les murs ne tiennent plus. Depuis une cinquantaine d'années, la petite église est inoccupée. Le prochain risque, c'est que la charpente tombe dans la chapelle, littéralement, et pousse les murs qui ne sont pas étayés. Donc tous ces murs-là risquent d'être poussés par la charpente et de tomber dans les fossés du château. C'est vrai, les nuits de grand vent, je me demande toujours ce que je vais trouver le lendemain matin, quand même. Hein. Moi, je suis la sixième génération à vivre à Mont-l'Évêque. Je m'y suis réinstallé en 2000. Mon raisonnement, c'était si je ne m'y installe pas, je ne serai pas motivé pour l'empêcher de s'écrouler. Voilà. Jusque-là, ça a fonctionné, mais maintenant, il faut l'assumer. Le propriétaire emmène maintenant l'historien dans le parc, devant la façade d'apparat, qui, elle aussi, suscite des inquiétudes. On voit bien la tour qui est à gauche quand on regarde d'ici. Vous voyez qu'elle est complètement fissurée le long de la ligne de fenêtre et que les appuis de fenêtre ne sont pas du tout horizontaux. C'est parce que cette tour-là, elle a été rajoutée en 1840. Elle n'existait pas dans le monument médiéval. Et ils ne se sont pas fatigués à faire des fondations. Il aurait fallu aller les chercher très loin. Au Moyen-Âge, le château avait trois tours et pas quatre. C'est simplement qu'ils n'avaient pas de terrain sain pour en fonder une quatrième. C'est tout bête. Hein, voilà. Mais au 19e, ça ne les a pas gênés du tout. Ils voulaient une symétrie, ils voulaient une tourelle. Ils l'ont posée sur rien. D'autres dégradations sont visibles depuis la cour d'honneur. Là, on a vraiment un gros souci de maintien de la structure, de stabilité de la structure, qui est lié à la fois au sous-sol, aux choix de construction qui ont été faits. Et puis, aujourd'hui, ça pose un vrai problème d'entretien, de survie du monument, quoi.
Là, on est dans le même cadre de figure que la tourelle. C'est le parement qui bouge et pour l'instant, je ne trouve pas qu'il a l'air de s'effondrer tout de suite. Une des stratégies qu'on connaît bien, c'est de venir installer des micro-pieux sous la structure, de les déployer sous la structure pour aller chercher la roche et pour s'installer et solidifier ça sur la roche. Parce qu'aujourd'hui, étant donné que c'est posé sur un terrain argileux et boueux, ça varie, ça travaille. Et donc, cette structure-là, elle est quasiment condamnée si on n'intervient pas de cette manière. Bon, c'est une vraie question à se poser. Alors, on va laisser un peu de travail aux enfants. Tu mets. À l'intérieur, le propriétaire va devoir restaurer également la bibliothèque, classée à l'inventaire des monuments historiques. Voilà. Alors là, on est vraiment dans la belle bibliothèque. Là, on est dans la bibliothèque, qui, avec ce décor qui, lui aussi, est complètement 1850. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que c'est du faux bois sur du vrai bois. Là, les sculptures sont en plâtre. On voit bien le lustre, d'ailleurs, là où il est un petit peu cassé. C'est du plâtre. C'est du plâtre peint façon faux bois. Et dans l'encadrement de la porte, on a du papier peint en faux bois sur du vrai bois. C'est là qu'on voit que l'esprit de la chose, c'est un décor de théâtre. Ce château en 1850, il sert à montrer ce qu'on est, à tenir son rang dans la société. Il faut aussi comprendre que les personnes qui reprennent ce genre d'endroit, ce ne sont pas des gens dont la fortune est en train de s'étioler comme à la fin du XVIIIe, c'est des gens qui ont fait des très grosses fortunes pendant les périodes de troubles et un peu après, et qui reviennent s'installer avec de très gros moyens. Et alors qu'ils mettent tout dans le décor et dans l'apparence, comme on peut le voir avec les histoires de fondations, parce que pour les fondations, il n'y a pas d'argent, mais pour faire du décor, oui. Dans l'après-midi, Nicolas Bilot reprend la route vers le Soissonnais, dans l'est de la Picardie. On n'aurait pas eu autant d'édifices, et surtout des édifices de tel volume, si on n'avait pas eu les carrières à proximité. Le vrai problème des matériaux, c'est leur transport. Ce qui coûte cher, c'est le transport des matériaux. Ce n'est pas tant l'extraction ni la taille du matériau. Vous pouvez avoir pour certains châteaux ou certains édifices jusqu'à 50-60% du chantier dont le coût est en réalité le coût de transport des matériaux. Ici, on a la chance d'avoir les matériaux sous les pieds. Donc en réalité, vous exploitez à quelques kilomètres, voire quelques centaines de mètres du lieu où vous allez construire le monument. Résultat, vous économisez énormément d'argent, donc vous avez deux solutions. Soit vous construisez plus souvent, donc plus de châteaux, soit vous construisez des châteaux plus grands. L'historien atteint sept monts. Les sous-sols de ce village abritent une des plus grandes réserves de calcaire de la région. Vous avez beaucoup de carrières anciennes qu'on connaît bien, mais des carrières encore exploitées aujourd'hui, après 6 à 7 siècles d'exploitation, c'est rarissime. Ça vous donne l'idée de la qualité des bancs de pierre qu'on a là. À l'entrée de la carrière souterraine, Nicolas retrouve David Ballet, le tailleur de pierre. Alors, c'est une très grande carrière. Tu vas vite t'en rendre compte. Celui-ci va lui faire découvrir les galeries qui serpentent sous le plateau. On va aller faire un petit tour sous terre. Quelle profondeur on descend environ ? Oh, bah là, on va se trouver à 25 mètres, 20 à 25 mètres sous les champs. D'accord. Bon, espérons que je vais pas me paumer. Même avec l'habitude, c'est quand même difficile de s'y retrouver dans plus de 50 km de galeries. C'est vraiment un véritable labyrinthe. Au fur et à mesure de la progression, la forme des cavités sculptées par l'homme évolue. Elle révèle les différentes époques de l'extraction. Là, tu vois, la configuration des lieux change complètement. Tout à l'heure, on était dans des galeries extrêmement sinueuses. Oui, là, tout est anguleux. Et là, tout est angulé, tout est en angle droit. Ouais. Quand on avance dans la carrière ici, mètre après mètre, kilomètre après kilomètre, en fait, on a des galeries d'extraction de tous les siècles. Et on remonte le temps. C'est-à-dire que vous progressez du 14e au 15e, 16e, 18e, jusqu'au 20e siècle, 21e aujourd'hui, puisqu'on y exploite encore. Ça, c'est une chance. Après 10 minutes de trajet,
les deux hommes atteignent le site d'exploitation le plus récent. Eh ben super. Alors, attention, faut se munir de lampes et on va mettre nos casques. Eh ben nous y voilà. Au bout de la tranchée, des carriers sont à pied d'œuvre. Ils taillent à la scie mécanique des blocs de 11 tonnes. Ouais, voilà. Pour extraire le même bloc de pierre, avant, on mettait deux semaines. Un carrier mettait deux semaines pour extraire un bloc comme ça. Aujourd'hui, un carrier, par jour, il va en extraire trois. Donc vous imaginez un petit peu, trois blocs, deux, quatre, six, ça aurait fait six semaines de travail au 19e siècle. Une fois la découpe faite, le calcaire est décollé avec un système pneumatique. Alors là, ils sont en train d'installer des coussins gonflables dans une des saignées, vous voyez. Alors ils en installent deux, ils vont les gonfler. Et la pression dans la tranche va faire casser les blocs. Nicolas Bilot poursuit sa route. Il se dirige vers le chef-d'œuvre de l'architecture néo-gothique, le château de Pierrefonds. On arrive à Pierrefonds, donc au XIVe siècle, c'est un fief de Louis d'Orléans, qui est frère du roi de France, qui est un grand, grand personnage de l'État, qui avait fait bâtir un château gigantesque, qui a été détruit à plusieurs moments dans l'histoire. Toujours est-il qu'au XIXe siècle, il était essentiellement en ruine. Deux tours et l'ancien donjon subsistaient en partie. Et Napoléon III va demander à Viollet-le-Duc de réhabiliter ce château pour notamment en faire un symbole de son pouvoir, pour essayer de redonner de la superbe à cet édifice. Ah là, c'est probablement un des édifices les plus remarquables qu'on ait en France. C'est vraiment un bijou. Pour mettre en pratique ses conceptions, le grand architecte Eugène Viollet-le-Duc a recréé le monument tel qu'il aurait existé au Moyen Âge. Ici, on est vraiment dans le fin des fins de l'architecture néo-gothique. On est dans ce que l'architecture néo-gothique a pu faire de mieux. Viollet-le-Duc en fait un symbole de ce qu'on peut faire de mieux en restauration de monuments au milieu du 19e siècle. On est vraiment sur un édifice remarquable aux proportions quasiment inégalées. En fait, aujourd'hui, on a très peu d'édifices de cette taille et de ce volume. Il y a un avant et un après Pierrefonds, très clairement. On n'a jamais restauré de la même manière avant et après. C'est un chantier expérimental, presque, on pourrait dire. En ce sens qu'on va tester tout un tas de nouvelles méthodes. Il va y avoir des enjeux scientifiques, techniques, même presque, on peut dire, déontologiques, idéologiques autour de la restauration. Jusqu'où va-t-on pour restaurer? Jusqu'où restitue-t-on? Jusqu'où recrée-t-on pour les parties qu'on connaît mal ou qu'on ne connaît pas? Et donc, ça va être un vrai travail d'historien, d'archéologue, en plus du travail d'architecte. Bienvenue à Pierrefonds, on va monter voir les toitures. Eh bien super, allons-y, je te suis. L'historien est accueilli par Mathieu Desjardins, qui travaille à la conservation du monument. Là, on a vraiment de la chance, on rentre dans le Saint des Saints. Pour la première fois, Nicolas Bilot va pouvoir admirer les toits de l'édifice. Les deux hommes empruntent un escalier interdit au public. Alors là, on a un accès privilégié aux parties inaccessibles du site. On monte par les chemins ronds. Une très belle vue sur la cour. Et voici la plus belle vue. Ah oui, le sommet de la tour de Guet.
Oh là là. Extraordinaire. C'est vraiment, vraiment une vue remarquable. En plus, on est à plus de 40 mètres par rapport à la profondeur des fossés, je pense, là. Et on a toute vue dominante sur toutes les cheminées, les faîtages, les sommets de toiture. C'est extraordinaire. Le but de Viollet-le-Duc ici est de montrer un château idéal de la fin du Moyen-Âge. Un château du XVe siècle tel qu'il aurait pu être dans l'absolu. Il reste vraiment un inventaire des formes existantes à la fin du XVe siècle. Viollet-le-Duc met par écrit ses théories sur l'architecture médiévale et il les met grandeur nature à Pierrefonds dans un livre de pierre. Oh là là, c'est extraordinaire. Je découvre à la fois les volumes, déjà, parce qu'on a vraiment... Ici, on se rend compte de la majesté du site. Moi, je ne m'attendais pas à trouver autant de faîtages, autant de ferronneries, autant d'éléments de décor, autant d'épis, de penons, de girouettes. Si l'apparence est médiévale, les procédés de construction sont ceux du 19e siècle, comme l'utilisation du métal pour les charpentes. Mathieu Desjardins guide l'historien dans les combles de la tour sud-ouest. Ah oui, il est superbe. De l'extérieur, on a l'impression d'avoir une toiture banale quelque part. Et à l'intérieur, les procédés les plus modernes sont utilisés. Toute l'ossature de la charpente est en métal. Ouais. Et sur la charpente en métal, on vient additionner un corset de bois pour porter les tuiles. C'est ça. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Les ardoises, tout à fait. On a des poutres qui doivent faire 12 à 15 mètres de long pour pouvoir atteindre depuis la base de la toiture jusqu'au centre. C'est vraiment disproportionné systématiquement. À Pierrefonds, tout prend des proportions inégalées, enfin, ou en tout cas quasiment inégalées. Et c'est surtout extrêmement majestueux. L'une de ces structures a été présentée à l'exposition universelle de 1867 pour célébrer la puissance industrielle de la France. La découverte des hauteurs du château se termine au sommet du donjon qui domine la cour d'honneur. D'ici se dévoile la chapelle où Viollet-le-Duc a repris les canons esthétiques du XVe siècle. On est vraiment sur un très très bel édifice avec la Vierge à l'enfant qu'on a ici. Et puis une des sculptures célèbres de Pierrefonds, Saint-Michel terrassant le dragon là-haut. Ce Saint-Michel-là ayant été réalisé par le sculpteur Frémier, qui est le même sculpteur que le Saint-Michel du Mont-Saint-Michel. Donc on a une pièce d'œuvre d'art de même niveau que ce qu'on connaît nationalement. Que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans le décor, que ce soit dans la sculpture ou dans la peinture, Pierrefonds regorge de détails et en salle se différencie d'autres sites néo-gothiques précédents, antérieurs. Viollet-le-Duc rompt vraiment avec cet aspect un peu lisse et parfois, oui, superficiel du néo-gothique. Tout est réfléchi à Pierrefonds. Direction le département de l'Aisne. Vers Saint-Quentin, la ville aux multiples trésors art déco. La gare, reconstruite en 1926, abrite l'un des plus beaux exemples de ce style de l'entre-deux-guerres. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Après un an de travaux, le buffet est restauré et les tables refaites à l'identique sont livrées. On va essayer d'harmoniser. Victorien Georges est le directeur du patrimoine de la ville. C'est très bien, oui. Il se passionne pour l'art déco qui fait l'identité de Saint-Quentin. Oui, ou bien on peut peut-être les espacer justement pour recréer déjà tout de suite l'effet buffet. Bon, bah voilà, là on retrouve le buffet de la gare. Là, c'est. Ne manque plus que les chaises, et puis on pourra
prendre le petit déjeuner comme à l'époque. Le buffet de la gare, c'est véritablement un petit joyau qui était en sommeil et que la ville de Saint-Quentin a souhaité réveiller. Alors au cours du chantier de restauration, il n'y a eu que de la restauration. Rien n'a été rajouté, c'est-à-dire à la fois le sol en céramique, les vitraux, les murs, le comptoir, tout est d'origine. Alors déjà, voilà, l'entrée du buffet de la gare est déjà un lieu extraordinaire. On le voit notamment à travers toutes ces mosaïques qui recouvrent l'ensemble des murs. Une découverte aussi, un trésor, puisqu'en fait elles étaient dissimulées par des tapisseries. Et donc, au moment du chantier de restauration, il a suffi de gratter un petit peu, d'enlever quelques morceaux, et puis on redécouvre cette splendeur. Pour les éléments de décor et les vitrages, les architectes ont fait appel au célèbre maître verrier originaire de Picardie, Auguste Labouret. On voit qu'Auguste Labouret a utilisé à la fois des verres cathédrales, des verres dépolis, des verres striés, des verres martelés. Donc toutes les techniques de verrerie possibles ont été mises à l'honneur pour créer cette grande paroi vitrée art déco qui permet aussi de donner de la lumière dans le buffet. Un peu plus tard, Victorien Georges réceptionne une console. Là, vous voyez les petits cocons, mm-hmm. et les petits papillons qui sont ici en bas. D'accord. Parfait. Sur les bronzes. Parfait, parfait. Elle a été fabriquée par les étudiants du lycée des métiers de l'ameublement de Saint-Quentin. Voilà. Ça correspond vraiment à la fois dans les motifs, les décors, dans la structure. C'est, ça se marie en plus parfaitement avec, avec le cadre. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Combien d'heures de travail ? Entre 6-7 semaines. Ouais. Ouais, 7 semaines. 7 semaines de travail. Hier après-midi. Pour la finition, là, les dernières tesselles, il y avait 12 mains sur la marqueterie. D'accord. Tout le monde était l'un à tout côté de l'autre. Tout le monde son petit. C'est vraiment les élèves qui ont fait le boulot. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on voit ce travail d'équipe. Et on le voit comme à l'époque de l'art déco, c'est vraiment un travail collaboratif entre différents savoir-faire, différents métiers d'art. Comme la gare, une grande partie de Saint-Quentin a été reconstruite après la Première Guerre mondiale. C'était alors une ville martyre. Pendant les 4 années de guerre, la cité a été occupée par les Allemands. Pour les déloger, les Alliés l'ont bombardée à plusieurs reprises. En 1918, Saint-Quentin est détruite à 70%. Les édiles de la ville ont fait le choix de la rebâtir dans le style novateur de l'époque, l'art déco. La poste, le marché municipal, et surtout le conservatoire de théâtre et de musique. On se trouve véritablement devant le plus beau joyau art déco de la cité. Ce qui marque, c'est surtout cette grande façade, cette verticalité. On a ces grandes lignes qui nous mènent vers le haut. Et puis ces trois pignons, qui rappellent d'ailleurs aussi la tradition flamande de la région des Hauts-de-France. Et puis ces trois grands beaux windows qui vont éclairer bien sûr et baigner de lumière le conservatoire et qui vont contribuer aussi à une fonctionnalité, c'est aussi à insonoriser à l'intérieur du conservatoire. Victorien nous emmène sur la Grand Place, où un palais de style Renaissance a miraculeusement résisté au bombardement, l'Hôtel de Ville. Il abrite un chef-d'œuvre de l'art déco. La salle où se réunit le conseil. Un ensemble unique créé en 1924 par l'architecte municipal. La salle en fait est totalement d'époque. Louis Guyandès a travaillé en véritable ensemblier. À la fois, il dessine le mobilier, il dessine l'ensemble du décor de cette pièce, mais également l'ensemble de la lustrerie. Verrerie, ferronnerie, maroquinerie, ébénisterie, l'art déco se décline dans tous les métiers d'art.
Sur les murs, les lambris rendent hommage à tous les artisans qui ont œuvré pour la reconstruction de la ville. Une œuvre est particulièrement remarquable. Pour l'apprécier, il faut prendre de la hauteur. Alors donc ici, nous nous trouvons donc, au niveau de l'ancienne tribune de presse, avec notamment cette Marianne, qui est véritablement surprenante de face, avec derrière ces rayons qui évoquent cette renaissance de la ville. L'art déco est également visible sur les maisons des particuliers. Il se niche dans les détails avec ses roses stylisées, ses lignes géométriques, ses formes simples. Ce sont les familles les plus aisées qui ont fait reconstruire leur maison en adoptant ce style. Ici, on se retrouve devant l'une de mes façades préférées de Saint-Quentin. Ce qui me touche particulièrement dans cette façade, c'est vraiment à la fois l'alliance des différents matériaux, le béton, la brique, en partie supérieure, la mosaïque, et puis aussi les garde-corps du premier étage. Et puis également cette porte qui est incroyable. Elle reprend le motif oasis très connu à l'époque Art déco. On a l'impression d'avoir une sorte de jaillissement de flot, et ce mouvement révèle pour moi véritablement le bouillonnement de l'Art déco. Le directeur du patrimoine est maintenant attendu dans un ancien grand magasin. Les nouvelles galeries. Victorien y organise chaque année une exposition. Il n'y a pas de souci pour vous ? Bon, ok, ça marche. 48, après on est un petit peu dans l'ombre ici sur cette partie-là. Celle-ci est consacrée à l'art déco dans le cinéma. L'art déco a été influencé par différents courants, comme le cubisme, l'antiquité, le retour au classicisme. Mais c'est aussi toutes ces formes orientalisantes qui sont présentes, notamment ici dans ce grand atrium, ces grandes colonnes pilastres et en partie sommitales ces palmettes d'influence plutôt néo-égyptienne qui montrent bien que l'art déco puise véritablement ses sources et son répertoire dans différents domaines. Le lendemain, Victorien Georges est sur la route en direction de Lens. Il s'y rend avec un photographe qui prépare avec lui une nouvelle exposition sur l'art déco dans le sport et les transports. Les Hauts-de-France, c'est véritablement, disons, le terreau de l'art déco. On va dire ça, en fait. C'est là où se trouvent les plus belles pépites. Et pour un passionné d'art déco, en effet, c'est véritablement une chance, puisque dans chaque ville, ici, dans cette région, on a du patrimoine art déco. Comme à Saint-Quentin, la gare de Lens a été bâtie dans les années 20. Mais ici, elle a une forme particulière. La tour, elle est incroyable aussi. Ouais, ouais. Avec les horloges comme ça de chaque côté. On peut faire une vue d'ensemble du bâtiment avec la tour et puis la grande partie centrale. Alors cette gare, elle prend la forme d'une locomotive stylisée. C'est vraiment un cas unique en plus. C'est-à-dire que voilà, l'architecte a adapté en fait son bâtiment par rapport à la fonctionnalité du lieu. Et c'est juste extraordinaire. Vue du dessus, la silhouette de locomotive est accentuée par l'arrondi de la charpente. À l'intérieur, les mosaïques retracent l'histoire industrielle de la région. On retrouve les fresques d'un grand artiste aussi de l'art déco, c'est Auguste Labouré. Alors, ça serait intéressant justement que tu puisses me prendre quelques photos aussi. Puisque là, en plus, on est dans le patrimoine, là, le patrimoine minier, le patrimoine de la région.
La mosaïque retrouve ses lettres de noblesse avec l'art déco. On la retrouve bien sûr depuis l'Antiquité, mais particulièrement aussi ici à l'art déco. Elle revient à nouveau. Les décorateurs l'utilisent en intérieur, en extérieur. Et là ici, on a un très très bel exemple de mosaïque intérieure. Ces panneaux sont extraordinaires. Les deux hommes se dirigent maintenant vers Bruay-la-Buissière. Ils doivent faire des clichés d'un site exceptionnel, la seule piscine art déco encore ouverte au public dans les Hauts-de-France. Elle a été construite en quelle année, cette piscine ? Alors, elle a été construite en 1936. Et là, d'ailleurs, je crois qu'on approche. Là, on est proche du parc, justement. Et puis, la piscine est juste sur notre gauche. Et là, on voit le grand portique. L'aspect monumental de la piscine. Et c'est l'un des plus beaux équipements d'ailleurs de la région des Hauts-de-France. Classée à l'inventaire des monuments historiques, avec ses trois bassins et ses 250 cabines, la piscine Roger-Salingros est caractéristique d'un courant tardif de l'art déco, le style paquebot. Alors, ce qui est très particulier sur cet endroit, c'est justement qu'il rappelle en fait la forme d'un paquebot et surtout son gigantisme et sa somptuosité. Et là, ici, c'est surtout ces longues perspectives, ces longues lignes droites et puis aussi ces côtés très plats que l'on retrouve justement, puisqu'au-dessus des cabines que l'on voit, ce sont des solariums. Effectivement, ça donne une bonne vue d'ensemble. Oui, ici. Là, on a vraiment une perspective. Ouais. Donc là, ce serait peut-être intéressant aussi d'avoir une photo qui permet d'avoir cette symétrie en plus avec cette partie centrale du bassin. On est véritablement dans ce que l'art déco exploite depuis plusieurs années déjà maintenant, c'est-à-dire la symétrie, on le voit à travers les deux bassins, les deux ailes de part et d'autre, la géométrie et puis ces formes très épurées, ces formes très planes. Là, c'est un joli panorama. Et l'arrondi, c'est la pataugeoire, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. On est en pleine période du Front populaire, c'est 1936. Pour la première fois, les Français vont justement accéder aux congés payés. C'est aussi l'époque art déco. C'est aussi cet art de vivre, justement, de pouvoir se divertir, d'oublier la Première Guerre mondiale et de pouvoir profiter aussi, en famille, entre amis, des équipements qui sont mis à disposition des Français pendant cette période. Et donc, on le retrouve parfaitement ici. Dans le Lensois, les terrils ont redessiné le paysage. Avec l'arrêt progressif de l'exploitation du charbon, entre les années 60 et les années 80, ils sont devenus des friches abandonnées. Aujourd'hui, ces collines artificielles reprennent vie. Le plus grand d'entre eux, celui de Riolet, est un terril plat de 140 hectares. Ce plateau est devenue une terre d'élevage. En 2013, un ingénieur écologue, Julien Graff, et sa femme Paola, d'origine colombienne, ont créé ici une ferme. Ils élèvent aujourd'hui une cinquantaine de chèvres et vendent leur fromage. Allez, un petit peu de foin, un petit dessert. Il est 8 heures du matin, c'est l'heure des derniers soins, avant le départ pour le pâturage. Le couple a appris son nouveau métier dans les Alpes avant de s'installer ici. On est revenu ici de Haute-Savoie pour s'installer dans le Nord-Pas-de-Calais parce que ça nous manquait. Et puis c'est un peu la cerise sur le gâteau parce qu'on est vraiment sur un des sites emblématiques de la région.
et qui caractérise vraiment, voilà, c'est son côté original, son côté chaleureux, parce qu'on doit reconstruire une région qui a été un peu sinistrée au niveau du paysage, de la nature. Avec ses bêtes, Julien emprunte chaque matin le sentier qui gravit le terril et mène au sommet du plateau. Bonjour. Lors de la transhumance quotidienne, le troupeau partage le chemin avec les promeneurs. C'est vrai que c'est surprenant de voir des biquettes, ça paraît un peu incongru, parce que des biquettes sur un terril, évidemment, c'est pas très logique à la base. Alors des fois, elles occupent un peu de place sur le chemin. Les joggeurs, ils doivent faire un peu de trek sur les côtés du chemin. Elles vont pas forcément tellement se déplacer pour leur laisser la place. C'est vrai qu'entre les vélos, les joggeurs et maintenant les biquettes, ça fait pas mal de monde sur le terri. Allez, Fax, pousse. Pendant les montées, les chèvres se nourrissent des broussailles qui envahissent le sentier. Les biquettes sont en train de brouter une plante qui s'appelle la renouée du Japon. C'est une plante invasive qui, ici en Europe, n'a pas d'espèce qui va la limiter. Donc les lapins ne la mangent pas, il y a très peu d'herbivores qui la mangent, même aucun. Il n'y a aucune maladie qui l'attaque, donc elle se répand partout. C'est un vrai fléau. Il se trouve qu'on a trouvé la solution, c'est les biquettes. Ça marche vachement bien parce qu'elles adorent. Après 30 minutes de trajet, le troupeau atteint le sommet du terri. J'avoue que chaque jour, quand on passe ici, on est quand même bien époustouflé du paysage. C'est vraiment des petits trésors cachés comme ça. Quand on voit le terri de l'extérieur, on ne s'attend pas, en montant ce petit chemin en lacet, on ne s'attend pas à voir ça. Les bêtes ont quitté le sentier. Julien Graff les conduit maintenant vers le centre du plateau. C'est un milieu qui a toujours fait vivre les humains, la faune, la flore, quoi. Sauf qu'il y a eu une période où c'était vraiment uniquement pour les humains. On a un peu perturbé les choses, mais bon, il fallait bien chauffer la France. Hein. Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais a chauffé une grande partie de la France pendant longtemps. Et aujourd'hui, voilà, il y a un juste retour des choses qui plaît à beaucoup de monde, et je pense à la faune et la flore aussi, quoi. Un peu plus loin, les chèvres pénètrent dans le plus beau décor du terril. Le relief a été modelé par les dernières exploitations du charbon dans les années 80. C'est assez difficile à imaginer, mais ces grands espaces, on est à peu près à 50 mètres d'altitude. Ça paraît peut-être pas énorme, mais quand on s'imagine que chaque caillou qui compose cette montagne est passé entre les mains d'un mineur, là, ça fait un peu des frissons. C'est une vraie montagne, elle a tout d'une montagne. Elle a les rochers, elle a le côté sec, les pentes. On voit que les biquettes aiment bien grimper, descendre. Et donc, je pense que pour leur morale, ça leur fait du bien. Et une biquette qui est en bonne santé, c'est comme nous. Hein. C'est une biquette heureuse. Et puis du coup, c'est une biquette qui fait du bon lait aussi. Je m'étais plutôt imaginé récupérer une vieille ferme ou bien en construire une toute simple sur des pâtures classiques. Et puis en fin de compte, être sur un milieu comme ça qui est joli, moi je le trouve vraiment beau et je crois qu'il y a plein de gens qui le trouvent joli, même si c'est un ancien site industriel. Pour tous les jours, c'est un vrai bonheur de le voir. L'éleveur va laisser ses chèvres pâturer toute la journée dans un enclos au sommet du terril. De retour à la ferme, il rejoint sa femme pour la fabrication des fromages.
il commence par préparer le lait de la traite du matin. Maintenant, on va le laisser continuer sa fermentation jusque demain matin. Et on va rajouter un peu de présure. C'est ce qui va faire passer le lait de l'état liquide à l'état solide. Donc voilà, c'est vraiment pas grand-chose. Mais c'est ce qui va permettre au caillé de vraiment se durcir. Et voilà. Pendant ce temps, Paola dépose dans des faisselles le lait de la veille qui a caillé pendant la nuit. Là, je regarde que la texture, ça se passe bien. Donc ici, c'est la fabrication sur les crus. Donc on fait tout à la main. Il n'y a pas de produits chimiques et le lait n'est pas pasteurisé. Le secret de fabrication, c'est le nombre de couches de lait caillé déposées pour que l'eau s'écoule naturellement. Puis il faut retourner les fromages avant de les saler. Ça, c'est le fromage que j'ai fait hier. Donc maintenant, je vais les démouler. Donc, j'ai fait ça. Et ça, c'est les crottins frais. Hop. Comment ça va? De toute façon, on va les mettre ici. On va les laisser poser un petit peu. Voilà. 4. 1, 2, 3. Tous les après-midi, Paola vend sa production dans la boutique de la ferme. Merci. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Alors, donc il y a du frais, mi-affiné, désaffiné, d'embûche affinée. Parmi ses fidèles clients, Jean-François a connu les terrils à l'époque des mines. C'est ce que j'essaye de dire aux enfants, qu'il y a une cinquantaine d'années, ce n'était pas du tout le même paysage et la même main-d'œuvre sur place. C'est un renouvellement. C'est plus sympa que de mettre une statue ou de garder un bâtiment en mémoire d'eux. Et là, c'est vraiment une reconversion et une belle activité. Alors, ça sera tout ? Ça sera tout. Alors, 180, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour. Bonjour. Il est 17h, le troupeau est de retour. Ça va. Allez, allez, Biquette. Merci. Merci pour le coup de main. Les gens ont pris l'habitude de venir les voir rentrer du pâturage. Et puis donc la haie d'honneur, c'est quand même pratique parce que nos biquettes sont pas très disciplinées. Surtout arrivées ici à la chèvrerie parce que là, elles se sentent vraiment chez elles. Donc elles se permettent un peu de tout. Et du coup, les gens nous aident bien quand même à les rassembler parce que sinon, elles seraient déjà en train de s'éparpiller un peu autour de la ferme. Allez, biquettes. Oui, vous avez dit bonjour. C'est bien, on y va. Allez, allez, Michi, on avance. Chaque soir, la traite se fait en public. J'ai l'impression que c'est un lieu touristique, en fait, ici. Hein. Parce que c'est vrai que c'est un beau défilé de mode. Hein. C'est devenu des stars, je crois. Vu le nombre de gens qui viennent les voir, je pense pas que ce soit pour moi. Ah, Gigi. Pour créer son cheptel, le couple a fait parrainer les chèvres, laissant aux bienfaiteurs le choix de leur nom. L'année dernière, c'était les M. Et on a eu Mylène Fermière, on a eu Mère du Nord et puis la copine Moule Frite. Ils sont toujours ensemble en plus. Donc voilà, des noms assez sympas. C'est vraiment la clé, c'est vraiment respecter la lettre et puis un nom original, quoi. Pas un nom forcément trop biquette, quoi. Parce qu'on est quand même sur un lieu original, donc faut respecter, faut être cohérent, quoi. C'est un vrai site maintenant. Un site naturel et une activité économique, hein, parce que c'est aujourd'hui une ferme où on vit grâce au fromage. Quoi. Allez, lady!
Lorsque le temps le permet, le soir, Paola et Julien aiment profiter du panorama. Ils escaladent le petit terril conique qui jouxte la ferme. Ah, ça s'est bien dégagé, ouais. Oui. Un fax, la tienne. Présenté. Oui, t'as envie de travailler, c'est un peu chiant. Bon chien perdu. On a de la chance, hein. C'est clair que vivre ici, vraiment, sur le terri intégralement, pouvoir voilà, le soir, en 10 minutes, se retrouver là, c'est vraiment royal. Et puis le lac à côté, quand il fait trop chaud, on peut aller se baigner. Donc là-dessus, voilà, c'était pas forcément prévu, et puis c'est un gros coup de chance, quoi. On est remonté dans le Nord-Pas-de-Calais parce que la région nous manquait. Là, pour le coup, on l'a vraiment récupéré, cette région, quoi. C'est notre maison, quoi. Donc là, bah, on y habite complètement, donc c'est vraiment original, quoi. Kilomètres plus loin, au pied des terrils jumeaux de Los Angoël, l'ancien puits de mine numéro 9 de Lens a été transformé. Depuis 2012, il accueille un site dédié à la culture, le musée du Louvre-Lens. Son architecture d'acier et de verre recouvre une ancienne fosse d'extraction de charbon. Ce matin, la salle des expositions temporaires est en effervescence. Pendant 3 mois, les chefs-d'œuvre des maîtres du XVIIe siècle, les frères Lenain, y ont été montrés au public. Aujourd'hui, ils doivent céder la place à la prochaine exposition. Ils sont décrochés et emballés. Ça va, pas de soucis particuliers sur celui-là ? Pas de bus, de soulèvement ou autre. A priori, tout va bien. Ça y est, après, emballé, c'est pesé. Marie Lavandier dirige l'établissement. Donc celui-là, c'est dans l'autre sens. D'accord. Okay. Le décrochage, bah, c'est vrai que c'est toujours un petit moment un peu dur, quoi. Les œuvres partent. On a vécu avec pendant 3 mois. Il y a des œuvres qui nous touchent plus ou moins, mais c'est vrai que les frères Lenain, ici en plus, dans la région dont ils sont originaires, puis avec ces tableaux vraiment, avec ces regards, vous voyez, très frontaux, cette espèce de présence un peu assez exceptionnelle, en fait, des personnages qui nous interpellent à travers les siècles. Ouais, c'est une expo que je trouvais très, très, très touchante. Pour moi, en tout cas, c'est très personnel. C'est une expo que j'ai pas de plaisir à voir partir. La directrice nous emmène maintenant vers l'aile maîtresse du musée, la Galerie du Temps, un lieu unique. Les concepteurs ont imaginé ici une nouvelle façon de présenter les richesses des collections du Louvre, sans aucune séparation. Le code habituel du musée, c'est des salles, des sections, des départements. Et ici, on entre de plein pied dans un espace complètement différent, qui est entièrement ouvert, entièrement décloisonné. L'idée, c'est de faire percevoir aux visiteurs qu'à travers cet espace, alors ça fait pratiquement 200 mètres de long, vous allez parcourir 5000 ans d'histoire à travers des œuvres. En déambulant librement, le visiteur peut voir les points communs entre les œuvres, disposés chronologiquement. Ainsi, depuis ce Jupiter antique, il peut apercevoir un Saint-Sébastien, peint en Italie en 1500 par le Pérugin. Tous les deux reprennent les mêmes codes de la nudité et du déhanché. Finalement, ici, on peut voir d'un seul coup d'œil qu'il est emprunté de façon extrêmement directe à l'Antiquité. Donc ça, c'est des choses dans les musées, on vous l'a dit, mais il faut parcourir le musée, parcourir des salles pour découvrir l'Antique avec l'Antique et la Renaissance avec la Renaissance. Ici, vous pouvez embrasser tout ça d'un seul coup d'œil. «
Au plafond, des lamelles d'acier filtrent la lumière du jour et suppriment les ombres et les reflets. Il y a un autre coup de génie ici qui fait qu'on ne se rend pas compte du travail qui est fait sur la lumière, mais qui est assez prodigieux aussi et du même niveau que l'acoustique. C'est-à-dire les deux donnent une impression d'une très grande douceur, en fait. Ça, pour moi, c'est la griffe de la Galerie du Temps. La Galerie du Temps est un parcours inédit à travers l'histoire de l'art. Depuis le 3e millénaire avant notre ère en Mésopotamie jusqu'à l'école française du 19e siècle. Ici, notre ambition, c'est de faire venir des gens qui ne viennent pas dans les musées d'habitude. Et ces gens-là, ce n'est pas en cloisonnant, en expliquant, en leur assénant beaucoup de savoirs, de mots, de dates différentes, que quelque part, on va les toucher. C'est bien en leur donnant cette liberté de dire « Ah, waouh, ah ouais, d'accord, ah, cette peinture, tiens, ça me fait penser à... » Voilà, c'est en créant cette liberté-là qu'on peut véritablement être initiateur de ce premier contact, ce premier moment. Donnons la liberté aux visiteurs d'être émerveillés si ça lui suffit. Il y a quelque chose de très émouvant dans ce projet du musée du Louvre-Lens, qui est effectivement d'apporter le meilleur des collections de musées sur un territoire qui a beaucoup souffert depuis quelques décennies, avec ses mines qui faisaient vivre pratiquement 1 million de personnes ici, sur tout le bassin minier. Le musée du Louvre, il a été voulu comme un signal du renouveau de ce territoire, un signal d'espoir, mais aussi un signal d'action. Changer l'image de la région, amener la région à être fière d'elle-même, de son passé, mais aussi de son avenir. Y redonner du bonheur d'être là, de la fierté d'être là. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend même quand on vit sur place, quand on se promène en ville. Voilà, qu'est-ce qu'on est fier que le Loup soit venu ici. En 2016, près de 500 000 visiteurs ont parcouru la Galerie du Temps au cœur du musée du Louvre-Lens. Sur le plat pays, se profilent des tours emblématiques, les beffrois. Symbole des libertés communales, ils constituent l'identité du nord de la France. 23 d'entre eux sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Marie Lavandelet de Beur est ethnologue. Elle prépare une thèse sur ces monuments. Moi, je suis partie de la question, comment un monument issu du Moyen-Âge pouvait-il avoir une telle importance? Comment il construisait aussi l'identité des cités des villes du Nord et l'identité des habitants du Nord? Marie Lavande va nous faire découvrir les plus beaux beffrois des Hauts-de-France. En commençant par les plus anciens, ceux de la Somme. La particularité des beffrois de la Somme, c'est que pour beaucoup d'entre eux, ils ont traversé l'histoire. Et là, le beffroi de Lucheux, c'est un espèce de vieil ancêtre vénérable, assez touchant. Sa particularité, elle est assez évidente, puisque le beffroi est au sens propre le point de passage obligé à Lucheux, puisque c'est le seul beffroi porche du nord de l'Europe. Donc ça a un côté assez magique de pouvoir passer sous un beffroi. L'ethnologue retrouve Danny Villard, le maître du temps de Lucheux. Donc c'est vous qui avez les clés du beffroi de Lucheux? Ouais. Une fois par semaine, il doit remonter l'horloge du beffroi. T'en as combien de marches? J'ai jamais compté. Ah ben, pourtant, ça fait des années, mais j'ai jamais compté. Au Moyen-Âge, les marchands devenus riches ont négocié certaines libertés avec leurs seigneurs. Ils ont alors fait bâtir ces tours, symbole de leur nouvelle autonomie. Très vite, ils y ont fait installer des horloges. Ouais. Donc ici, la salle du mécanisme de l'horloge. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc un peu votre entre.
Oui, le mécanisme est à l'intérieur de l'armoire. Ah ouais. Voilà. Magnifique. Vous êtes garante de l'exactitude du temps à Lucheux. Oui, voilà. Quand elle est bien réglée, elle n'avance pas d'une minute. Quand elle prend du retard, c'est qu'il y a un pigeon qui a bloqué l'aiguille. Okay. Et parfois, quand elle sonne pas, les gens se posent la question « Oh, comment ça se fait, Dani a oublié de remonter ?» Mais non, c'est que la pendule est en panne. Là, il y a beaucoup de tours à faire. À l'époque médiévale, donner l'heure est un symbole de puissance. Les marchands avaient besoin de compter le temps pour organiser rationnellement le travail et donc donner de la valeur au temps. Le temps, c'est de l'argent. C'est vraiment un moment de l'histoire qui va changer les mentalités du rapport au temps en Occident. Le mécanisme est remonté. L'horloge va pouvoir fonctionner pendant une semaine. Le matin, quand on arrive, on se repère au beffroi. Je vois les employés de commune, ils se repèrent au beffroi. On se dit, oh, tiens, il est 8h, il est 9h, il est midi. C'est un repère. On s'y attache énormément. Marie Lavande prend maintenant la route de Saint-Riquier, 40 km plus à l'est. Comme les beffrois de la Somme ont peu été détruits et relativement peu remaniés, c'est vrai qu'on retrouve cet aspect assez austère et assez défensif de l'architecture médiévale. À Saint-Riquier, le beffroi a été bâti face à une imposante abbatiale, comme un défi du pouvoir communal au pouvoir religieux. Le beffroi, c'est un peu l'ancêtre de beaucoup de bâtiments communaux puisqu'il va rassembler en un même lieu les fonctions communales. Donc ça va être les ancêtres des archives, on y abritait les trésors, les documents importants comme la charte. Jusqu'au XIXe siècle, l'édifice a hébergé un tribunal. On est donc ici dans la cellule de la prison de Saint-Riquier et on voit ici effectivement les traces des remaniements qu'a subi le beffroi. Et donc il faut s'imaginer qu'on pouvait encore descendre sous terre pour y être enfermé dans quelque chose qu'on pourrait appeler une quasi-oubliette, en fait. Sur les murs, les prisonniers ont laissé des traces de leur passage. Ce qui est aussi extraordinaire avec le beffroi, c'est que c'est construit dans la pierre. Alors, ça peut être une évidence, mais la pierre, ça permet de laisser une trace, de graver une trace. Et les beffrois sont des lieux de mémoire. Ici, on peut ressentir ce qui s'est passé dans l'histoire par le corps, par les émotions, par les traces qui sont laissées. Marie Lavande quitte maintenant la Somme et les beffrois médiévaux de Picardie. Elle prend la direction de Bergues, dans le département du Nord. On peut reconnaître une ville par son profil qui se découpe sur l'horizon. Ça fait un dessin particulier. Et le beffroi, avec sa silhouette, qui est comme une signature urbaine, ça permet effectivement de reconnaître la ville. Dès l'entrée dans la ville, le beffroi impose sa haute silhouette. Du haut de ses 47 mètres, il domine la plaine alentour. Au sommet, son carillon est exceptionnel. Avec ses 50 cloches à l'extérieur de la tour, il s'entend à des kilomètres à la ronde. Carillon et les beffrois, c'est presque indissociable.
Il faut bien comprendre que c'est les cloches qui permettaient d'organiser la cité. À l'époque, on n'avait pas de portable ou de moyens de communication. Donc il fallait un point central pour pouvoir communiquer avec l'ensemble de la population d'une ville. Donc la cloche, c'est à la fois symbolique de la liberté communale et à la fois pratique, puisque les cloches vont tout sonner dans la cité. L'ethnologue poursuit sa route. Elle se dirige vers les deux beffrois les plus imposants de l'époque de la Reconstruction, dans les années 30. Ils sont l'œuvre du même grand architecte. Elle atteint d'abord Armentières. Le beffroi de style flamand s'élève à presque 70 mètres de hauteur. Quand les gens du Nord sont revenus dans leur ville à plat, détruite parfois à 80-90%. Il y a eu une grande volonté avec des grands débats sur les reconstructions. Fallait-il le reconstruire à l'identique, pas à l'identique, mais une grande volonté de retrouver un beffroi qui voulait dire que, comme le phénix, la ville renaissait de ses cendres, qu'elle était debout et qu'elle pouvait à nouveau vivre son quotidien comme avant la guerre. Inauguré en 1934, ce monument a été dessiné par Louis-Marie Cordonnier. Membre de l'Académie des Beaux-Arts, il était un ardent défenseur de l'esthétique du Nord. Louis-Marie Cordonnier a choisi de refaire un beffroi, mais en faisant varier le style, en utilisant tout le vocabulaire de la Renaissance flamande. Un beffroi qui est un peu défensif avec ses mâchicoulis, ses échauguettes, et en même temps, il y a ce côté un peu doux en haut avec les bulbes et les petites lucarnes. Marie Lavande termine son périple à Lille. Ici aussi, Louis-Marie Cordonnier a imprimé sa marque sur le centre-ville. Il a dessiné la chambre de commerce avec son beffroi. C'est vraiment un très, très, très joli beffroi Renaissance flamande qui est très joyeux, très coloré, avec ses briques rouges, sa très belle horloge dorée et cette décoration exubérante, cette abondance. L'architecte s'est inspiré des travaux de Charles Garnier pour réaliser ce hall d'honneur, avec ses colonnades, ses fresques murales et sa verrière. Toute cette exubérance de décoration, cette abondance, marque cette gloire industrielle et commerçante. Alors la première impression quand on arrive ici, c'est d'embrasser l'espace urbain. Un point haut qui nous permet d'observer tout ce qui se passe un peu dans la cité. On est juste au-dessus, et c'est pas un hasard, de la Grand Place, parce que les beffrois, ici le beffroi de la Chambre de commerce, se devaient d'être sur l'élément le plus symbolique et le plus central de la ville. À Lille, deux beffrois dominent la cité. Alors d'ici, on peut apercevoir très bien l'autre beffroi de Lille, le beffroi de l'Hôtel de Ville, qui est considéré un peu comme le rival du beffroi de la Chambre de commerce, puisqu'on dit à Lille qu'il y a le beffroi des patrons et le beffroi des ouvriers. Au cœur d'un quartier ouvrier, la tour de l'Hôtel de Ville symbolise le pouvoir du peuple. Avec ses 104 mètres de haut, on l'appelait en 1932 le gratte-ciel des Flandres. Les beffrois, c'est vraiment un monument qui a été en quelque sorte cultivé dans le Nord. Ça permet à tous les habitants de se réunir autour d'un élément identificateur et de construire aussi un sentiment d'appartenance à leur cité.
l'ouest de l'île, les eaux de la Manche ont sculpté l'un des plus beaux rivages de France, la côte d'Opale. Elle s'étend depuis Berck jusqu'à Dunkerque. Marc Suméra vit depuis plus de 30 ans à quelques kilomètres du littoral. Aujourd'hui, il va faire découvrir à Martial et Christelle, deux amis venus de Belgique, la plus belle portion de la côte d'Opale, entre Boulogne-sur-Mer et Calais. Là, on est en train de décoller de l'endroit où je m'envole parfois le matin, juste avant d'aller bosser. C'est parti maintenant, direction en Boulogne. J'aime bien venir ici, c'est parce que tu vois, les couleurs d'Opale sont jamais vraiment les mêmes. Là, c'était pas beau avec le soleil dans la mer. Bah, des conditions comme ça, on va peut-être pas en avoir 50 cette année. Hein. C'est vraiment une côte exceptionnelle. Moi, je m'en lasse pas. Les deux paramoteurs longent d'abord le cordon dunaire dès qu'il y a une plage menacée par l'érosion. Pour maintenir le sable face aux assauts du vent et de la mer, des rangées de roseaux, des zoyas, ont été plantées sur la dune. Alors là, sur la droite, t'as Boulogne-Martial. Alors une ville très très importante, l'un des plus grands ports de pêche et de transformation des produits de la mer. Au-dessus du port, des remparts du XIIIe siècle ceinturent la ville haute. Elle est dominée par le dôme de 104 mètres de haut de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Conçue au XIXe siècle par l'abbé Affringue, un prêtre architecte amateur, elle impressionne par ses dimensions. Alors là, avec cette lumière, là, c'est vraiment magnifique. Là, la vieille ville, vue à cette altitude, c'est vraiment magique. Les deux paramoteurs poursuivent leur route vers le nord. Ils s'approchent de la colonne de la Grande Armée, qui s'élève à l'emplacement d'un ancien camp impérial. Napoléon tourne le dos à l'Angleterre comme un défi ou un regret. C'est parti maintenant, direction Ambleteuse. Bien reçu. Voilà Christelle, fort d'Ambleteuse, regarde si c'est beau. On va faire un petit tour au-dessus, allez. De Cherbourg à la frontière belge, c'est la seule fortification Vauban en mer, encore debout. Doucement au Cap Griné. Dans le fond, tu vois des boutons, ils ont été réintroduits pour servir de tondeuse à gazon sur pattes. Voilà, et c'est une race boulonnaise. Ah, regarde ici, on voit bien les trous de bombes. Des trous d'obus que les Alliés ont fait pour pilonner les défenses côtières allemandes de l'époque. Il y en a des centaines.
le Cap Griné est la terre française la plus proche des côtes anglaises, distante seulement de 33 km. Au pied du phare, il y a le Cross Griné qui gère sans doute ce qu'il y a de plus important comme trafic maritime au monde. Il y a plus de 600 bateaux par jour qui passent. À Tardinguin, la marée basse découvre un vestige de la Première Guerre mondiale. Un chalutier réarmé par les Anglais, le Lord Grey, qui a été coulé en 1917. Là-bas, tout au fond, t'as le Blanc-Nez, la Roche, c'est vraiment génial. Je suis originaire du bassin minier et puis depuis 30 ans je suis ici et je m'en lasse pas, je savais pas qu'un jour j'allais la survoler aussi souvent. Le Cap Blanc-Nez est le promontoire le plus élevé de la côte. Ses falaises s'élèvent à 134 mètres au-dessus des eaux de la Manche. Juste après le cap, se dévoile la ville de Calais. Voilà encore un ferry qui rentre. Au plus fort de la forme du port, je crois qu'il y avait plus de 20 millions de passagers qui passaient par le port de Calais. Alors regarde, Martial, la visite qu'on a sur le beffroi. Incroyable! Le beffroi date de 1911, il a été épargné par les bombardements. Alors il a eu de la chance, lui, tout comme la tour du Guet, parce que c'est une ville qui a été détruite à plus de 75%. La tour du Guet, construite au XIIe siècle, est le plus ancien monument de la cité. Elle a abrité des sentinelles jusqu'en 1905. Le clocher de l'église Notre-Dame, lui, n'a pas résisté aux bombardements alliés. Il a été reconstruit dans les années 60 au centre de cet édifice en forme de croix latine. À quelques kilomètres au nord de Calais, sur la plage, apparaît une tour métallique. Elle marque un repère géographique. Là, on est au-dessus du phare de Wald, qui est quasiment situé sur le méridien de Greenwich. Alors, il paraît pas comme ça, mais c'est quand même un symbole. Il est la limite entre la Manche et la mer du Nord. On arrive tout au bout de notre petite promenade. Allez, on fait demi-tour, Martial. Ah, très joli, Vibreux, très, très, très joli. Pour la fin du vol, Marc a réservé une surprise à ses amis. Il a obtenu l'autorisation exceptionnelle de se poser sur la plage de la station balnéaire de Vimereux. Waouh ! Ah non, c'est bon, laisse. Génial, j'ai adoré. Une expérience exceptionnelle. Qu'on pourra sûrement plus refaire. Ouais. Ah là, on pouvait pas rêver mieux pour votre venue à un petit sud-ouest, 10 km/h. Là, c'est vraiment le paradis. La mer, les étendues, le sable, les tout les est beau. Les mouettes qui décollent.
Avec l'arrivée du train en 1867, la station de Vimereux a été créée de toutes pièces sur une dune sauvage. Des familles fortunées, venues de Paris, de l'île et d'Angleterre, y ont fait bâtir près de 800 villas. Très vite, une cinquantaine d'hôtels au confort moderne ont accueilli les premiers touristes. Ici, c'est vraiment le lieu de vacances, le lieu de détente. On vient donc jouer, s'amuser, on vient boire des cocktails, on vient jouer au golf, on vient donc jouer au tennis. Au casino, il y avait trois orchestres qui tournaient, une salle de music-hall, un bar. C'était la fête, voilà, c'était un petit peu l'Ibiza de la fin du 19e siècle. 300 villas ont résisté à l'usure du temps. Parmi elles, la maison Le Revoir, dessinée en 1905, par un architecte de la région, Arthur Megerman. Il construit une tour carrée formant belvédère au sommet qui permettait donc au propriétaire, qui était lui-même armateur, d'avoir une vue sur le port de Boulogne et de voir donc ces bateaux qui rentraient et qui sortaient du port. On a une maison fonctionnelle, ce qui n'enlève rien à l'esthétisme, puisqu'on a ici une villa avec des décors très très riches, et notamment ce très joli carreau de faïence avec le nom de la villa, le Revoir, et cette inspiration flamande que l'on peut voir avec les volutes du deuxième étage. Sur cette autre maison, chacune des quatre façades est différente. Si on est face à la villa Le Bon Accueil, qui est une villa datée de 1893, l'une des plus belles de Vimereux, ma préférée pour tout vous dire, le propriétaire s'est inspiré des châteaux de contes de fées, d'où la présence de cette jolie tourelle, ces terrasses, cette balustrade, qui lui donne un charme tout à fait particulier. La villa Les Mauriciens, inscrite à l'inventaire des monuments historiques, est surnommée le château par les habitants de Vimereux. Achevée en 1897, cette demeure néo-baroque impressionne par ses grands volumes. Pour la première fois, Raphaël Villet va pouvoir la visiter. Il est accueilli par Claudia Devaux, l'architecte qui dirige les travaux de restauration. Voilà, en arrivant dans le vestibule, avec le couloir. Très beau, très très beau. C'est très joli, c'est très chaleureux, le bois. Très agréable. Oui, avec la lumière qui traverse, toute la maison est traversante à cet endroit. On est surpris par cette balustrade qui casse en quelque sorte l'entrée. On s'attendrait à voir plus généreux. Voilà, quelque chose de, exactement, une entrée plus généreuse, un escalier d'honneur. Oui, mais c'est une villa et c'est pas un château. La villa est l'unique réalisation en France de John Belcher, un célèbre architecte anglais qui travailla dans toute l'Europe. Voilà. Et là, ici, on est à nouveau dans une pièce qui est... Il y a vraiment tout. Il y a les lambris, il y a le plafond, il y a le sol. Le mobilier n'est pas d'origine. À l'étage également, le décor est resté intact. Le premier propriétaire était un riche commerçant et banquier anglais. Il venait à Vimereux pour jouer au golf et donner de grandes fêtes. Alors ça, c'est le grand salon. C'est magnifique. En 1905, la villa est revendue et transformée en hôtel de luxe. Et alors ici, on est vraiment dans un espace énormément décoré, avec un décor qui prend les murs, le plafond et l'ensemble en compte. Finalement, c'est un type d'intérieur qu'on pourrait trouver dans un château français baroque du 17e, fin 17e, 18e siècle. Alors, ici, on voit la
photo où on voit le salon, le grand salon, avec les lits des personnes blessées. Pendant la Première Guerre mondiale, ici, c'était un hôpital géré par des femmes anglaises. Le bâtiment avait 45 lits. Une quinzaine d'infirmières soignaient ici des soldats, britanniques et français. Bah ici, on traverse aussi à nouveau... Elles avaient installé la salle d'opération dans le jardin d'hiver pour profiter de la lumière. En fait, il y avait la table qui était installée là. Là, c'était la vue dans ce sens-là. Voilà. Donc ici, on s'occupait des soldats blessés. Complètement. Toute la Côte d'Opale était transformée en grande, en immense zone sanitaire. C'était une zone tampon entre le front d'un côté et le Royaume-Uni de l'autre. Donc les soldats arrivaient ici, ils débarquaient, ils s'entraînaient pour ensuite aller se battre sur le front. Et lorsqu'ils étaient blessés, ils étaient rapatriés donc ici sur la côte. Et tous les grands bâtiments, notamment les bâtiments publics de la région, étaient transformés en hôpitaux. Quand on regarde aujourd'hui depuis l'extérieur, les jardins d'hiver, on a toujours les fondations qui sont là. Mais après, là-haut, il y avait la loggia et la loggia a complètement disparu. Et évidemment, il y a aussi le belvédère qui a disparu, qui devrait s'élancer au milieu du corps principal. Aujourd'hui, le nouveau propriétaire veut rendre à la demeure sa splendeur passée. L'idée, c'est de donner son caractère initial à la villa, parce qu'à l'extérieur, elle ressemble vraiment pas à ce qu'elle était. Et on va essayer de restituer ces éléments disparus à l'identique. La villa Les Mauriciens devrait retrouver son belvédère en 2020. ...50 km plus au nord, à Tourcoing, un autre passionné se bat pour sauver un patrimoine, celui des monuments religieux laissés à l'abandon. Dans le quartier de l'Épidème, l'église Saint-Louis a été désacralisée en 2009. Après avoir échappé à la démolition, elle est aujourd'hui sauvée. Sylvanie O'Haraud est charpentier et couvreur. Il a racheté le monument et a entrepris de le remettre à neuf. Ouais, je m'en vais. Sylvanie, t'es des sergents rapidement. Je réalise un rêve, en fait. Un rêve d'enfant de pouvoir redonner vie à un patrimoine comme ça. Et c'est la rendre au public, la rendre utile et la réancrer dans son quartier. Parce que c'est avant tout le cœur du village, c'est le cœur du quartier. C'est ce clocher, c'est un phare. Quoi. Avec d'autres artisans, Sylvanie a initié un chantier école pour les jeunes du quartier. Aujourd'hui, ils apprennent le travail du bois en restaurant le dôme de la chaire. Bah à la base, on est là pour accueillir des jeunes décrocheurs. Voilà. Donc, qui sont sortis du circuit scolaire. Je propose de les accompagner, de les accueillir, de les intégrer, de les accompagner par les métiers pour une expérience du travail, de la vie professionnelle. Et puis surtout, on souhaite c'est qu'ils construisent leur projet. Voilà. Ok, ça marche. Okay. On est vraiment dans un quartier qui est à l'image de son monument, oublié. C'est un quartier surtout qui est en difficulté. Il faut savoir quand même que près de 40% des plus de 15 ans sont déscolarisés sans diplôme. Donc c'était aussi ça qui a poussé à aller sur un projet de chantier école parce que répondre aux besoins de proximité. Et on a le chantier de Saint-Louis qui est la restauration de la nef, qui a cette vocation justement d'intégrer les jeunes du quartier en décrochage scolaire. Pendant ce temps, un autre groupe travaille sur les voûtes. Avec Reynolds, un maître plâtrier, il se perfectionne à la technique du stuc. Et puis tu regarderas toi là-haut, regarde, il y a ceux-là que tu peux faire aussi là-bas. Sur la nervure, là tu peux tout faire sur la nervure. Hein ? Ouais, ça va. Ok. Gaëtan a 21 ans, il ne va plus à l'école depuis l'âge de 15 ans. Là,
En fait, moi, j'habitais dans le quartier. Et en 15 ans, je ne l'ai jamais vue ouverte. Alors, déjà, je suis rentré ici pour la première fois, juste pour travailler dedans. Et c'est, déjà, c'est pas mal. Puis c'est bien qu'il la rénove. Ça fait un truc bien pour le quartier. Ça fait un endroit de vie, on va dire. Avant ça, je ne travaillais pas. Donc, ça m'a donné l'opportunité de travailler et de trouver ce que je veux faire. Enfin, c'est un chantier école, mais c'est pas l'école. C'est comme ça. Après, c'est mieux. Ouais, c'est vraiment mieux. Parce qu'on apprend à notre façon. Sylvain, le nouveau propriétaire, s'est construit un espace pour vivre au cœur de l'édifice. Voilà la maison. J'ai construit ma maison dans l'église. Donc, la future cuisine, parce que c'est pas encore fini ici. Bientôt, j'aurai la robinetterie, j'aurai une vraie cuisine avec de l'eau qui sortira de la gueule du lion. Les artisans qui l'aident à la rénovation logent ici. Une des chambres. Et pareil, c'est toujours... c'est presque des cellules monastiques, hein, mais on y est vraiment bien. Il a imaginé une structure totalement indépendante des murs de l'église pour mieux s'isoler. Le but, c'est de réussir à vraiment créer un caisson, parce que c'est compliqué de vivre dans une église. C'est comme aller habiter au Zénith, hein, ou à l'Olympia, juste derrière la Seine. C'est une énorme caisse de résonance, cette enceinte. C'est pas évident d'habiter dans une église. On s'y sent bien, mais dans mon cas, je suis le boulanger qui habite dans sa boulangerie. C'est une passion dévorante, quoi. La pièce de bois est terminée. Pour la replacer sur la chaire, le charpentier initie les jeunes au travail encordé. Vas-y, continue. Tiens-toi pas à la chaire après chaire. Il faut que tu arrives à maintenant venir marcher, venir te poser ici derrière. Voilà. La pièce avait été abîmée par les infiltrations d'eau avant la restauration des toits. Ça y est. Allez, vas-y, à toi l'honneur. Patient. Symboliquement, Sylvani laisse le jeune Théo qui l'a restauré terminer l'opération. Super. Si ce que je fais peut être contagieux, si ça peut donner l'idée à quelqu'un, si ça peut servir de modèle, mon expérience, je pense, peut profiter à d'autres. Et donc j'espère que voilà, ça fera plein de petits. Et moi, je serai là pour partager mes compétences. Le lendemain, le charpentier est sur la route dans la Somme. Toute l'année, il conseille des propriétaires d'anciens édifices religieux. C'est vrai qu'on pourrait croire qu'un particulier qui possède une église, c'est rare. Mais aujourd'hui, dans le contexte où il y a des milliers d'églises dans les années à venir qui vont être à sauver, je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. C'est une initiative personnelle de quelqu'un qui va se dire je vais sauver mon église, mais je vais la garder ouverte. Je vais la rendre quelque part au public. Aujourd'hui, il va découvrir cette petite église rurale. À Dompierre-Bécancourt, la dernière messe a été célébrée en 1972. Luc Parrain est graphiste et originaire du village. Il a racheté le monument pour 50 000 euros. Trop content de te voir. Écoute, moi aussi. Voilà l'église de Bécancourt. Elle est belle, très bien dessinée. Alors, je te fais un petit tour. À la découverte d'un édifice, 40 ans à l'abandon, c'est ça? 40 ans, une espèce de décharge. Donc là, tu as de la brique, une belle brique de parement. Il n'y a aucun joint à refaire. La brique vient de Roy. Donc là, c'est de la pierre de Saint-Maximin.
mais la perfection de la maçonnerie, moi, ouais. Ça m'impressionne toujours. Structurellement, elle a l'air vraiment impeccable. Hein. Bon, par contre, le toit, ouais, t'as vraiment besoin d'un couvreur, là. Ouais. Bah, j'ai fait ce que j'ai pu avec un ami. Il y avait 3000 tuiles de vraiment cassées, de vraiment d'abîmées. Ouais, ça serait important de pas laisser ça, les petits désordres, là. Bah, elle est dans un état un peu austère, mais encore en bonne santé. Hein. Par contre, l'urgence, c'est quand même les voies d'eau. Il y a encore des petits désordres dans la toiture, et là, c'est vraiment mon cœur de métier. Il faut que je lui donne un coup de main, là, que je vienne passer un peu plus de temps avec Luc. L'intérieur contraste avec l'austérité des façades. Voilà la bête. C'est tout en béton. Voûte en béton. C'est incroyable. Cette charpente en béton là qui vient vraiment imiter une charpente de bois. La structure, en parfait état, est typique des années 30. Ah ben, c'est un bel écrin tout ça. Il y a un peu de travail, mais... Sur les murs, des fresques naïves, d'inspiration romane, sont encore visibles. Ces proportions sont belles. Finalement, voilà, c'est typique des églises de sa génération, mais il y a plein de petites notes, de petits détails qui font la différence. Luc Parrain veut faire de son église un musée dédié aux arts graphiques. Pour achever le tour du propriétaire, il emmène le charpentier inspecter le clocher. Je peux t'accrocher à la barre en fer, si tu veux. Alors, les cloches n'ont pas sonné depuis 72 et j'ai mis la corde hier soir à 22h pour ta venue. Donc ça va être un grand moment, on va être les premiers à entendre une volée de cloche avec un couvent en fait. C'est parti. Voilà, 45 ans sans sonner. Ça me fait un effet incroyable, je suis ému. J'avais toujours eu envie de le faire, et c'est le jour idéal avec Sylvanie pour le faire. Sylvanie veut vérifier l'état du beffroi, la structure en bois qui supporte les cloches. Dans le clocher, à moindre défaillance, ça peut le mettre en péril. Parce qu'une cloche en pleine volée, c'est 40 tonnes d'inertie, quoi. Donc il faut imaginer... cette force qu'il y a à l'intérieur du clocher, cette cage qui bouge dans tous les sens, il suffit que ça touche les murs, le clocher ne fait pas long feu. Hein. Et donc c'est important. C'est fait pour durer, donc c'est ça qui est bien. Il faut que ça continue. Là, elles ont sonné aujourd'hui pour une première fois, mais à mon avis, ça va être voilà, une renaissance, là. Quelques jours plus tard, le charpentier accompagne un autre passionné de patrimoine religieux, le professeur d'architecture lillois Gilles Maury. Les deux hommes traversent les paysages bocagers de la Thiérache, au nord-est des Hauts-de-France. Ils vont découvrir une église que son propriétaire, un pianiste de renommée internationale, a transformée en salle de concert. Historiquement, dans les Hauts-de-France, en incluant donc Nord-Pas-de-Calais et Picardie, on a un panel absolument gigantesque d'églises de tout type, de toute époque, et je dirais dans tous les états. Ce qui fait de cette région-là, le nord de l'Aisne, le sud du département, aussi un espèce de laboratoire d'observation idéal pour l'histoire religieuse, mais aussi éventuellement pour leur reconversion. L'architecte et Sylvanie arrivent à Hirson, près de la frontière avec la Belgique. Ah, voilà. D'accord, ok. Eh ben. C'est intéressant, hein. Ouais. Ça vaut le détour, quand même. Oui, c'est une bonne surprise. Ouais. Le propriétaire,
Keith Armstrong est anglo-taïwanais. Il a racheté l'édifice en 2013. Lorsqu'il n'est pas en tournée, il y vit et y donne des conseils. Bah, écoutez, bienvenue. Aussi. Moi, je l'ai vu pour la première fois il y a 3 ans. Le bâtiment était plus ou moins destiné à la démolition. Oui, comme beaucoup, oui, malheureusement. Oui, comme beaucoup. Et puis, en tant que musicien, je me suis dit, peut-être c'est le lieu où je pourrais réaliser un projet. Je suis ravi de découvrir un nouvel édifice avec une nouvelle destinée, apparemment. On va aller regarder cette nef là qui est tout à fait extraordinaire. Les voûtes sont ornées de 1500 roses en hommage à Sainte Thérèse. C'est une église exceptionnelle dans le sens où elle est, même pour une église art déco, elle a des caractéristiques spatiales et décoratives surtout qui sont singulières. Toutes les églises n'ont pas ces milliers de roses en plafond. Là, effectivement, il y a quelque chose d'assez singulier, quoi. Donc je peux comprendre que ça... Il y a eu un coup de foudre, un peu comme toi, à Saint-Louis. On se dit, ah bah, c'est quand même des lieux extraordinaires, il faut en faire quelque chose. Le musicien emmène les deux hommes au sous-sol dans l'ancienne salle paroissiale. Il y entrepose une pièce d'exception qu'il a découverte par hasard pendant les travaux. Salle paroissiale. L'ensemble des vitraux de l'ancienne rosace de façade. Jacques Gruber. Gruber, oui. Ah ben c'est un grand maître verrier. Hein. Mm-hmm. C'est pas n'importe qui. Jacques Gruber était un grand nom de l'art nouveau. On lui doit notamment le dôme des Galeries Lafayette à Paris et les vitraux de la Villa Majorelle à Nancy. Donc c'est du verre fait à la main. Hein. Il y a toutes les irrégularités. Voilà, les petites bulles, tout ça, c'est caractéristique des verres faits à la main. Ben, ça changerait complètement l'atmosphère, hein, parce que ça colorerait toute la nef. Enfin, les vitraux sont pas toujours gardés, surtout il y a une période où l'art déco était complètement dévalorisé. On les a souvent démontés et pas forcément préservés. Donc là, on a une rosace complète. De se retrouver avec une verrière de Gruber, c'est une super surprise, je dirais. Il y a l'ancienne sacristie qui est maintenant une sorte de salon. Ah, et il y a aussi une cuisine que nous allons découvrir. Keith Armstrong a aménagé son appartement dans l'ancien logement du prêtre. Donc voilà chez moi. C'est ici qu'il se prépare pour ses concerts. Jusqu'à maintenant, on a eu 8 ou 9 concerts. Et c'était toujours des moments où j'ai constaté que ce n'était pas des concerts comme les autres. Quand j'ai vu qu'il y avait 600 personnes qui sont venues, là, je me suis dit, c'est pour ça que je fais mon métier. Un mois plus tard, le pianiste est en répétition avec son ami le violoniste, Renaud Capuçon. Ce soir, ils vont donner un récital dans l'église. Dans les églises, il y a toujours de la réverbe. Il y a rarement du grain. Ça. C'est pas tellement réverbérant. Il n'y a pas d'écho, en fait. Il y a juste ce qu'il faut. Non, mais il y a un peu, mais il n'y a pas, comme dans certaines églises, une sorte de halo. Et avec les gens, ça va absorber un peu. Un peu, oui. Ouais. Non, super. C'est la première fois que je joue là. Et c'est la première fois que je joue dans l'église de quelqu'un. Je veux dire, ça ne m'est jamais arrivé. C'est une des choses les plus insolites que j'ai faites. De savoir quand on vient chez Kit, on arrive chez lui, et c'est une église. C'est quand même, c'est incroyable. Et qui sonne bien. Il est 20h. Les 600 spectateurs ont pris place dans l'église. Pour les deux concertistes, c'est l'heure des derniers échauffements. Pas chaud.
Par rapport à Aix-en-Provence. Tu peux essayer? Non, ça va aller. Incroyable. Moi, je ne sais que je dis vraiment. Voilà. On a l'impression qu'on est les deux prêtres de l'église. On salue et on reste. On peut-être après la deuxième sonate, on peut sortir. Juste, on après voit. La deuxième, oui. Donc, oui. Enjoy. Grâce à Kit Armstrong, l'église d'Hirson, après 15 années à l'abandon, reprend vie.